L'école Saint-Angèle, elle a été fondée en 1906, mais les murs datent du XVIIe siècle. Moi, je crois que c'est ça qui donne à l'école Saint-Angèle cette âme si particulière. C'est une école de village, 4 classes, l'équipe pédagogique, 4 profs des écoles, 2 accompagnateurs pour les enfants en difficulté, 2 aides maternelles pour les plus jeunes, sans oublier Brigitte qui s'occupe du ménage et de la cantine. J'aime bien. J'aime beaucoup les enfants, donc puis j'adore. J'adore d'être ici. Regardez maintenant. C'est bon à la cantine ? Oui. Notre projet pédagogique, il s'inspire de tous les courants qui peuvent être utiles pour le bien-être de l'enfant. L'objectif, c'est qu'il se sente bien, notre élève, qu'il soit heureux de venir à l'école et puis qu'il apprenne des choses et qu'il puisse comprendre ce que c'est que le goût de l'effort et la joie et le plaisir d'avoir un travail bien fait et de progresser. Ça, c'est pas le dé de Dimitri. Il est là, le dé de Dimitri. Et toi, un seul, ma chérie. En moi ? Oui, toi, oui. Il vibre et fait voler les bêtards. Le serpent. Le vent. Dans l'école, les enfants, ils sont partie prenante des décisions. Je tenais beaucoup à ce qu'on puisse écouter leurs paroles. C'est pour ça qu'on a mis en place un conseil des élèves. C'est important aussi à leur niveau qu'ils nous disent ce qu'ils ressentent, comment ça se passe pour eux. Parfois des choses que nous, adultes, on ne voit pas du tout, on n'est plus à la même hauteur. Donc j'aime bien ces petits temps de conseil où nos délégués tout fiers viennent un petit peu faire le bilan de ce qui se passe dans l'école. Ensuite, il faudrait mettre des poules dans l'école et leur donner les déchets de cantine. Un potager, mais avec des fleurs. Puis il y avait Paul, Louis et Flaubert qui aimeraient retourner sur la colline qu'il y a dans la cour. On a aussi notre chargé de mission, Erasmus Bruno, qui nous a aidé à monter ce projet. Je suis très très heureuse que l'école de Beaujeu puisse en bénéficier. C'est une ouverture pour nos élèves. Ils vont aller en Europe, ils vont aller en Suède, à Göteborg, dans une autre école, pour voir comment ça se passe là-bas à l'école. Qu'est-ce qui est différent? C'est la sonnerie, c'est les profs, comment on travaille, qu'est-ce que ça peut nous apporter, qu'est-ce qu'on peut changer dans nos pratiques et quelles sont nous les choses qu'on va leur apporter, parce que les petits Suédois viennent nous voir au mois de mars. En tout, il y a 36 élèves du centre scolaire qui vont partir et il y en a 12 de chez nous. Bien sûr, le Covid a décalé tout notre projet, mais franchement, je voulais remercier l'équipe pédagogique. Elles n'ont pas lâché l'affaire et c'est grâce à elles aussi que tout ça, ça a pu se réaliser. Et toi, Julie, qu'est-ce qui te rend heureuse à l'école ? Moi, ce qui me rend heureuse à l'école, c'est mes amis, les maîtresses, le personnel et quand j'ai de bonnes notes. J'adore le quart d'heure lecture et dans notre école, les maîtresses sont très sympathiques. J'aime bien le yoga parce que ça me calme. J'aime bien les vélos car ça nous fait du sport sur les jambes. Et toi, Alice ? Ma matière préférée est le français. Quel est ton moment préféré dans la journée ? Mon moment préféré dans la semaine est le mardi parce qu'on lit et c'est agréable et calme. Le sport à l'école. J'aime la découverte du monde parce qu'on apprend des choses sur les animaux, la nature. Sixtine ? Quel est ton moment préféré dans la journée ? La récréation, car je peux m'amuser avec mes camarades. Toi, Paul-Louis, qu'est-ce que tu aimes dans notre classe ? J'aime bien toutes les matières. J'adore l'humour de la maîtresse. Et le top du top, c'est la fleur des émotions. C'est un endroit où on peut exprimer nos émotions. On peut se mettre dans joyeux,
en colère. Des fois, ça peut nous rassurer. Je tenais aussi à remercier les parents d'élèves qui s'impliquent dans l'école. On a une association de parents d'élèves, elles font beaucoup de choses pour que les projets des enfants puissent se réaliser. On a aussi une maman qui est en train de nous lancer le petit journal de l'école qui va bientôt paraître. Et c'est aussi grâce à eux que l'école elle a cette ambiance particulière. Je les remercie, sincèrement. Et vous les enfants, qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est de vous accueillir ici, en France, en mars.